m'appelle Norbert, j'ai 22 ans et puis je suis étudiant à l'île de la Réunion. Et je suis investie aussi dans des associations, une association de jonglerie et une association de soutien au théâtre Vladimir Canter. Je suis investie dans deux associations, une qui s'appelle l'ASCUR et qui gère le sport et la culture sur l'université. Dans l'autre association, qui s'appelle les Canterpillars, notre but c'est de dynamiser la culture sur le campus. Avec les Pailles en Feu, notre but chaque année, c'est de faire des prestations et d'envoyer des dossiers de subvention pour pouvoir préparer ce qu'on appelle le projet Scénar Madagascar. C'est sur 45 jours, environ un mois et demi la plupart du temps, à une dizaine de personnes, on va sur Madagascar et on apporte des ateliers, des spectacles et tout ça à titre gratuit. Tout ça pour diffuser en fait les arts du cirque, faire partager notre passion. Je pratique le cirque déjà sur la fac même. On a deux ateliers, deux créneaux horaires qui sont ouverts en semaine. Et quand j'ai du temps libre, j'aime bien aller soit en bord de front de mer ou soit sur la plus grande butte de la Trinité pour jongler. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est soit travailler dans l'associatif, dans le culturel, dans l'artistique, que ce soit sur scène ou derrière la scène. Tout ça, c'est des métiers qui me plaisent beaucoup. Il y a un petit instrument que je trimballe toujours avec moi, c'est mon petit carnet. Dedans, il y a tous mes rendez-vous, mes numéros de téléphone, mon agenda, tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait. Et c'est un peu ma tablette tactile du 19e siècle. La ville de Saint-Denis vous a présenté En l'air.